Bonjour, donc nous voici cette semaine pour une nouvelle petite présentation, enfin plutôt une review, ouais, d'un grand classique. Donc ça s'appelle, à chaque fois je le prononce mal, Shinkansen, je sais pas si je le prononce bien, donc de Phil Goldstein, qui est ben, alors, vraiment un très très grand classique, c'est très vieux. Mais pourquoi on a décidé de faire cette review? Et en plus, c'est une vidéo de la semaine. Vidéo de la semaine. Parce que c'est un tour que tu adores. J'allais dire, en plus c'est des tours qu'on fait, puisqu'on a fait les tours de les présentations de tout ce qu'on fait et qui sont un peu indispensables. Ben ça fonctionne vraiment très bien. Pourquoi? Ben parce que ça se fait seulement avec deux paquets, un bleu, un rouge, quatre cartes chacune. Et en plus, ça se fait dans n'importe quelle condition. Alors c'est intéressant parce que ça prend pas de place. Ça se fait autant en magie restaurant, parce que vous faites du table à table, donc les gens sont assis, que en condition vous êtes accoudé à un bar et vous faites de la magie sur le comptoir, okay. Ou alors qu'en situation que beaucoup de magiciens font et de plus en plus, qui est la magie de cocktail. Où souvent les gens ils ont une coupe de champagne, une coupe de vin, ils ont un petit four à la main et parfois c'est difficile de leur faire choisir une carte, de faire mélanger, de faire couper ou un truc comme ça, alors que là vous allez pouvoir le faire parce qu'ils ont leur coupe de champagne à la main, vous leur demandez juste de tendre la main, vous allez poser par exemple je sais pas moi, sur la dame le paquet rouge et au monsieur ou notre dame qui boit aussi ou qui mange son petit four le paquet bleu et vous allez faire un voyage de cartes comme ça, donc c'est vraiment très bien. Donc ça se présente dans n'importe quelle condition, donc c'est l'idéal. L'effet est très simple, alors je vais vous le faire rapidement, hein, vraiment rapidement, sans aucun texte derrière, mais c'est vraiment pour vous montrer l'effet. C'est visuel et c'est très bluffant. Alors, je parle pour le public bien évidemment, parce que on va faire un voyage de cartes qui est en plus une carte choisie entre guillemets librement pour le public et dans des conditions vraiment très spectaculaires. Même si les gens regardent la vidéo et qu'ils comprennent l'astuce, on ne sait jamais. C'est pas ça qu'il faut regarder. Regardez l'impact que ça va donner. Voilà, ce qui est beau dans ce tour, c'est l'impact pour le public. Hein. On parle encore une fois que la plupart des tours, quand on dit qu'ils sont bien, c'est pas pour magicien. Hein. On n'est pas là pour bluffer le magicien. On est là pour faire rêver un public profane qui, ou même, même s'ils connaissent un peu de magie, c'est voilà. Nous, on fait pas de teaser à l'américaine où on va couper plein de choses. Là, peut-être qu'en mettant en ralenti, vous allez voir des trucs. Exactement. C'est pas ça qu'il faut voir. Regardez l'impact. Donc, l'idée de ce tour, c'est quoi? Eh ben, c'est très simple. On vient montrer deux paquets de quatre cartes aux spectateurs. Donc, on le dit, hein, j'ai ici quatre cartes bleues et ici quatre cartes rouges. D'ailleurs, je vais même vous les montrer. Alors, les cartes n'ont aucune importance. Alors, un paquet rouge, élastique rouge, ça c'est très important par contre. Et donc je vais vous les montrer. Alors j'en ai réellement 4, il n'y a pas de... Et donc là, alors, bien sûr on va pas dire ça aux spectateurs, mais il n'y a pas de cartes collées, des cartes flap ou des trucs comme ça. J'ai vraiment donc 4 cartes, mais vraiment 4, hein. 1, 2, 3, 4. Alors peu importe les cartes, il n'y a aucun... On s'en fout, tout simplement. Vraiment 4 cartes qui sont ici, rouges, que je pose dans la main par exemple d'une spectatrice. Et ici, donc, carte bleue, élastique bleu, très important aussi. Et je vais les montrer également, par exemple, ce coup-ci à un monsieur. Donc, je vais montrer, par exemple, la première, par exemple, l'as de cœur. Ils sont pas obligés de les retenir, hein, mais on va le montrer le 8 de carreau. Donc, au moins, comme ça, je montre comme ça à tout le monde que les gens voient les cartes. Le valet trèfle, ok. Et la dernière, le 5 de pique. Et c'est tout ça, c'est montré aussi. Okay. Une fois que les 4 cartes sont montrées, on va demander au spectateur de m'arrêter sur une carte. Alors on défile comme ça les cartes une par une, et en fait il défile, il s'arrête quand il a envie. Alors Thierry, dis-moi stop, voilà, stop. Tu regardes la carte sur laquelle tu t'es arrêté. Okay. Alors bien évidemment, c'est très simple. Alors là, on le dit, vous avez une chance sur 4. Hein, c'est ou soit l'as de cœur, ou soit le valet trèfle, ou soit le 5 de pique, enfin, ou le valet trèfle, je crois. On dit qu'on va perdre tout ça, enfin qu'on perd tout ça, qu'on coupe le jeu et qu'on entoure tout ça avec l'élastique bleu et on fait mettre ça dans la main, par exemple, du monsieur. À partir de ce moment-là, donc on n'a rien fait de particulier, on a montré 4 cartes ici, t'as choisi une carte ici, et on dit qu'on va faire voyager la carte de ce paquet dans la carte de ce paquet.
Est-ce que vous croyez que c'est possible? Les gens, oui, non. Et c'est là où l'effet magique rentre en jeu, c'est que ça y est, le tour pour vous, là, il est fini. Vous avez fait, on va dire, la plus grosse partie. Maintenant, le reste, c'est que du bidonnage. Hein. Je me concentre, attention, paf, ça y est, c'est fait. Attention, je la fais revenir. Hein. Non, mais attendez, je vais réellement la faire voyager. Donc là, vous faites tout le baratin que vous voulez. Et ce qui est fou, c'est que vous allez à un moment claquer des doigts et dire, ben, ça y est, c'est fait. Est-ce que vous avez vu voyager quelque chose? Alors, la plupart des gens disent oui, non. Là, vous jouez avec les dires des gens. Vous enlevez l'élastique bleu, d'accord? Vous retournez les cartes et vous montrez que vous n'avez plus que 1, 2 et 3. En plus, c'est vraiment 1, 2 et 3 cartes. Effectivement, donc il manque une carte, donc c'est le 5 de pique. Oui, ma carte. Donc, il manque réellement la carte du spectateur alors que vous n'avez rien fait. Vous demandez à la spectatrice de vous tendre la main. On enlève l'élastique rouge. On étale et entre les quatre cartes rouges, vraiment entre les quatre cartes rouges, il y a une seule et unique carte bleue. Et ce qui est fou, c'est que c'est le 5 de pique. Une fois qu'on a fait ça et qu'on a nos cartes rouges ici, on referme avec l'élastique rouge. On récupère nos cartes bleues. On récupère notre 5 de pique bleu. On remet ça ici et on range comme ça et on part comme ça. Après, il y a un petit reset pour le faire à une autre table, mais qui est extrêmement rapide. Donc voilà l'effet du tour. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple, de très rapide, mais surtout de très efficace parce que, en plus que forcément c'est la bonne carte, c'est logique, hein, mais elle voyage, c'est visuel parce que dans les 4 cartes rouges, il y a effectivement une 5e carte bleue alors qu'à la base on n'en avait vraiment montré que 4. Donc sans faire des comptages particuliers, hein, c'est vraiment, on peut les compter dans la main du spectateur. Limite, même si vous a, si. Si votre spectateur n'est pas foufou, tout ça, vous pouvez lui filer les cartes rouges face en l'air et il les compte dans votre main pour vraiment montrer qu'il y a 4 cartes. Donc voilà, suivant comme vous gérez votre spectateur, suivant l'ambiance et dans la situation que vous êtes, lui-même peut également compter les 4 cartes rouges, ce qui fait qu'à la fin, quand il va avoir une 5e au milieu, waouh, c'est bluffant parce qu'on n'a rien empalmé, il n'y a pas d'empalmage. Hein. C'est vraiment du tour qui est... qui est vraiment très très simple, enfin très très simple. Il y a une petite technique, mais il n'y a rien de transcendant là-dedans. Et voilà. Et ça, ça donc, voyage dans les mains du spectateur, c'est ça qui est bien. Et c'est encore une fois, donc, ces effets où il se passe une disparition et que ça arrive dans un endroit qui est gardé, secret, ou dans une boîte, tous ces tours-là où ça disparaît, que ça reste dans des boîtes, dans des machins comme ça, ça plaît toujours. Donc c'est pour ça voilà, qu'on voulait vous montrer ça. Et comme tu dis, Thierry, ça plaît encore plus quand c'est eux qui tiennent l'objet et qu'il y a quelque chose qui se passe dans leurs mains. Donc là, c'est vraiment encore beaucoup plus magique. Et en plus, là, pour le coup, vous faites vraiment rien. Les cartes travaillent pour vous. C'est un tour... alors, c'est jamais... Alors, ça, là, c'est vendu comme ça. Donc, quand c'est vendu comme ça, on va dire que c'est, entre guillemets, la même carte qui voyage. Mais bien évidemment, si vous le refaites et que vous le refaites, vous pouvez mettre n'importe quelle carte, du moment que vous avez quelques cartes, on va dire, chez vous, sans en dire trop, vous pouvez à chaque fois changer la carte, il n'y a aucun souci. Donc les cartes qui voyagent peuvent être différentes à chaque fois. Donc ça c'est bien, voilà. C'est, et quoi dire de plus, que vous n'êtes pas obligé d'avoir des élastiques bleus, des élastiques rouges, ça c'était juste pour la routine. Donc les élastiques n'ont rien à voir avec les cartes. Ils sont pas vendus avec. Et ils sont pas vendus. Et ils sont pas vendus avec, effectivement. Mais voilà, donc ça vraiment que du bien. Donc c'est vraiment un bon petit tour. Ça fait, je crois que depuis que t'as le magasin, tu l'as. Ouais. ce Est-ce tour. Que ils le disent dans la vidéo, dans la routine qu'il faut des élastiques ou c'est toi qui les as rajoutés? Alors moi, je l'ai toujours vu avec les élastiques. Alors pourquoi je l'ai toujours vu avec les élastiques? Parce que la première... Alors non, il n'en parle pas. Mais... Je crois que c'est Ali qui te l'a montré. Ouais, mais c'est exactement ça. Donc tu me l'as enlevé de la bouche. C'est-à-dire que... Et c'est, ça me paraissait même logique parce qu'effectivement, lui, il le faisait mettre dans les mains du spectateur aussi. Je pense que c'est une sûreté pour pas qu'il touche. Non, mais pour pas qu'il touche, pour pas que les cartes bavent aussi. Et effectivement, tu as raison. La première fois que je l'ai vu, donc ça, je crois que quand il m'a montré ça, c'est au petit magasin, et c'est quand il m'avait montré le bonto de Michael Skinner. Donc, pour vous dire que ça fait de nombreuses années, et effectivement, il faisait avec des élastiques. Donc du coup, et puis la plupart des gens que j'ai vu aussi le faire, parce que j'ai vu d'autres le faire, le faisaient avec des élastiques aussi, ce qui pour moi est forcément beaucoup plus logique. Hein, si on met ça dans la main du spectateur, il y a de fortes chances que s'il n'y a pas d'élastique, il va commencer à tout toucher. Alors, bon, là, je l'ai mis comme ça parce qu'il était très grand, hein, l'élastique. Pour le spectateur, ça fait une carte emprisonnée.
qui ne peut pas arriver. Exactement, si on met un élastique là, ça ne peut pas bouger. Et puis en plus, voilà, si on lui donne ça, il reste comme ça. Voilà. Même s'il bouge et qu'il fait n'importe quoi, les cartes restent emprisonnées, restent scellées. Donc forcément, ça ne bougera pas. Voilà. Mais c'est vrai que dedans, effectivement, si on regarde les trucs dedans, il n'y a pas de... Il parle pas d'élastique. Voilà, sans trop dévoiler. Voilà, moi, il n'y a rien à voir, il parle pas d'élastique. En aucun moment, il parle d'élastique. Mais oui, c'est mieux de mettre des élastiques. Voilà, donc ça, c'était une petite présentation, mais alors vraiment très rapide. Mais c'était pour vous dire que c'était vraiment quelque chose de très très bon. Je sais pas pourquoi on l'a pas fait avant. On en a d'autres que j'ai Mais oui, je sais, on en a encore plein qu'on n'a pas fait. Et à chaque fois, on se dit pourquoi on n'a pas fait celui-là Révolution, avant. Révolution mexicaine, tout ça, on va le faire après. Mais malheureusement, voilà, c'est. C'est tous les petits paquets qu'on a au comptoir et que. Mais on en a tellement. On a encore de très très vieux tours qui sont au magasin et qu'il faut qu'on fasse, qu'on trouve vraiment très très bons. Mais voilà, il faut juste qu'on ait le temps. Donc voilà, on va essayer de continuer à faire ça. Donc ça, c'était la présentation de Shinkansen.